Salut à tous, c'est Flandre French Monkeys. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre premier atelier où on va commencer une nouvelle préparation sur une Royal Enfield Interceptor 650. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, effectivement, on n'est pas dans l'atelier où on a l'habitude de nous voir, mais dans notre premier atelier, là où tout a commencé. Donc on a monté un deuxième atelier par rapport à la place qui nous manquait, hein, parce qu'on a un atelier de 35 mètres carrés. On a notre deuxième atelier qui fait 45 mètres carrés, et du coup, ça nous permet d'avoir plusieurs préparations en même temps. Et donc c'est ici où tout a commencé, et où on a le plus gros choix de machine en fait. On a tout ce qui est compresseur, sableuse, la grosse machine. On a les postes à souder qui sont ici. Donc c'est pour ça que vous voyez pas tout ça dans l'autre atelier. Dès qu'on a besoin de grosses machines, du coup, on vient ici. On a cette Royal Enfield qui est arrivée. Et pour la petite histoire de cette Royal, en fait, on a rencontré le client au salon du deux roues de Lyon l'année dernière. Et il est venu nous voir, il avait pas encore la moto, et il nous a demandé ce qu'on pensait de la Royal Enfield. Et à cette époque, on avait envie déjà de travailler sur cette base qui est pas fréquente en fait à trouver, parce qu'elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, et généralement la plupart de nos clients ont plutôt tendance à emmener une moto ancienne pour les transformer plutôt que d'amener une moto qu'ils ont acheté neuve pour la transformer derrière. L'avantage de cette base là, c'est que c'est une moto qui est une architecture d'ancienne en fait. On a un cadre qui est tubulaire, qui est très très simple, hein. On a vraiment une architecture de cadre qui est super simple et facile à travailler. Parce qu'on a, cette ligne qui est parfaitement droite, et voilà, on a de la jante à rayon, on a un moteur qui est vraiment sublime. On adore aussi la forme de ce moteur, ce petit bicylindre 6,5, il est vraiment super. Et il nous a dit, écoutez les gars, j'aimerais faire une transformation comme vous savez bien le faire sur vos BMW, mais j'aimerais sur cette Royal Enfield parce que j'adore cette bécane, elle a vraiment un look qui est déjà sympa, déjà vintage, mais j'aimerais lui donner une petite touche sympa, une touche French Monkeys. Donc on lui a dit, bah écoute, trouve la moto et tu reviens nous voir dès que tu l'as. Donc il a acheté la moto neuve, il a roulé un petit peu plus de 1000 km, je crois qu'elle avait 1500 km seulement la bécane, et il est venu à l'atelier nous présenter sa bécane qui a déjà une bonne gueule, hein. Il faut l'avouer, elle a déjà une bonne petite gueule cette moto, mais il lui manque quelques petits trucs, et ben on a fait le tour avec notre client, et il nous a dit, voilà les gars, j'aimerais faire ça, est-ce que vous pouvez le faire? On lui a dit oui, et c'est parti. Donc sur cette Royal Enfield, finalement, qu'est-ce qu'on va lui faire? On part déjà sur un échappement complètement modifié, on enlève la ligne d'origine et on part sur un échappement masse, donc fabrication italienne, homologué et modèle Hot Rod. C'est un échappement que vous pouvez trouver sur notre shop, on vous met le lien dans la description de la vidéo directement, vous avez juste à cliquer et vous tombez dessus. Ensuite, on part sur un poste de pilotage un tout petit peu plus bas, donc le guidon typé un petit peu scrambler comme on peut avoir sur cette base, on va le changer et on part sur un guidon totalement noir. Ensuite on va modifier les commodos pour des commodos un petit peu plus haut de gamme, parce que là on est sur des commodos tout en plastique, c'est vraiment de la castillage très très simple sur cette bécane. On va aussi forcément changer le système d'éclairage à l'avant, donc on part sur un phare full LED. On part aussi sur des clignotants LED directement sur les pattes de phare. Après bah forcément, hein, on va aussi changer tout l'arrière, donc la sellerie, on part sur une sellerie en sky avec double matière. Là on va partir sur un cuir retourné et un cuir simple, donc là on reste sur du sky, on part pas sur du cuir. C'est pas pour une question de coût, car le coût sera quasiment identique au cuir, mais c'est pour une question d'entretien, car quand on part sur du sky, on n'a aucun entretien à faire, hein. On peut prendre la pluie, il va pas se patiner, il va pas bouger. Donc c'est pour ça qu'on part sur du sky aujourd'hui plutôt que sur du cuir. Mais l'avantage du sky aujourd'hui, c'est qu'il a énormément évolué et on peut trouver un simili cuir qui est vraiment une imitation parfaite. En fait, c'est à s'y méprendre, hein. Même pour des spécialistes du cuir, ils arrivent même pas à faire la différence entre ces deux-là. Donc c'est un avantage aujourd'hui pour nous. Ensuite on part sur des amortisseurs sur mesure YSS, pareil en full black aussi, on veut de la sobriété. On part aussi, tout en restant dans le noir, sur les carters. Là on a les carters qui sont chromés, et on va
l'épingle noir pour donner un aspect encore un petit peu plus sobre au moteur pour qu'il se noie vraiment avec l'ensemble de la moto et qu'il n'y a rien qui se détache. Encore une fois, le client voulait pas de brillant, donc on casse tout ce qui est brillant et on le passe en noir. Au niveau des pneumatiques, on va laisser cela pour l'instant, c'est des très bons pneus et ils sont neufs, donc ça servira à rien de les changer juste pour les changer pour le look. Donc le client les changera une fois qu'ils seront rincés, on partira sur un design un petit peu plus sympa, peut-être les TT classiques, les Victory que vous pouvez aussi trouver sur notre shop, l'imitation des Firestone en moins cher. Là on n'est pas sur de la prépa complète, on est sur de la semi-prépa, on démonte pas entièrement la moto, on fait de l'esthétisme autour de ce qui existe déjà. Pour l'arrière de la moto, on part sur une boucle arrière donc raccourcie, donc on va être obligé de couper le cadre de la bécane et on va intégrer le feu arrière dans la boucle arrière pour donner un design vraiment plus épuré, pour casser aussi ce côté massif qu'on a à l'arrière avec ce gros garde-boue et ce gros support de plaque avec le feu et les clignotants. Donc là on enlève tout ça, on supprime tout ça, on est pur au maximum et on a une moto qui va être plus typée mi-chemin entre le café racer et le scrambler. Alors je sais qu'il y a des fans de Royal Enfield parmi vous, vous inquiétez pas, on va pas complètement la dénaturer, on va la laisser hein, dans son style d'origine, mais en lui donnant une petite touche custom quand même. Pour les caches latéraux, bon là on est sur des caches latéraux en plastique, mais on avait voulu donner un petit côté un petit peu plus classe sur ces caches en plastique. Donc là on va les recouvrir en sky, donc le même sky qu'on retrouve sur la selle, et on va intégrer une poche sur le côté gauche pour quand on fait de l'autoroute, hein, pour que ce soit plus facile. On peut glisser une petite carte bleue dedans et le ticket du péage. C'est plus sympa plutôt que d'aller chercher dans le blouson, voilà. Donc là c'est le petit plus design qu'il va y avoir sur cette moto. Mais en règle générale on va rester voilà, sur de la sobriété, on part pas sur du bling bling, on part pas sur de la grosse transformation, mais on va quand même lui changer la gueule et on va lui donner un côté custom plutôt que le côté full origine quand on l'achète neuve en concession quoi. En tous les cas, on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On a passé la barre des 7000 abonnés et ça nous pousse vraiment à sortir des nouvelles vidéos. Là, on va vous sortir une saison complète de transformation sur la Royal Enfield. On va encore vous sortir des épisodes aussi sur la saison de la R80 Bobber qu'on est en train de transformer en ce moment, qui est bientôt sur la fin d'ailleurs. Donc on va vous faire une bonne petite vidéo vlog sur le roulage de cette moto. Il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner, du coup, hein, cliquez sur abonner si c'est pas déjà fait, et sur la petite cloche pour recevoir les dernières notifications des dernières vidéos. Il y a encore des tutos aussi qui vont arriver, donc il faut vraiment rester à l'affût, on a pas mal de contenus qui vont sortir. Et bah il me reste plus qu'à vous remercier encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florent des French Monkeys, ciao ciao.